Salut à tous, bienvenue à ce deuxième numéro de notre nouvelle saison de Index. La devise, vous le savez déjà, pour le beau, pour le bon et pour le vrai. Nous sommes en pleine fête de Noël et la Noël est fêtée différemment par chacun d'entre vous, dépendamment de votre culture ou de vos mœurs. Mais nous sommes tous d'accord que la Noël, c'est la fête du partage, la fête de l'amour, la fête du pardon, la fête de la réconciliation, la fête du bonheur, la fête de la joie. Aujourd'hui, à Index, nous allons commencer à fêter la Noël avec vous et nous allons vous inviter à découvrir avec nous deux institutions commerciales. Ces institutions commerciales fêtent bien sûr la Noël, à leur façon, ce sont des institutions commerciales différentes, mais ces institutions, vous allez le découvrir par vous-même, qu'elles se retrouvent avec la Noël par des décorations. On dirait que ces institutions se sont mises d'accord, se sont entendues pour faire des décorations, et la décoration, c'est un niveau de participation pour Noël, une façon pour ces institutions d'attirer les clients et de dire bonne fête de Noël à ses clients. La première institution commerciale que nous allons découvrir, c'est Rivoli. Rivoli, c'est un magasin que vous connaissez qui se situe à Pétionville. Et nous avons eu l'honneur de visiter Rivoli et d'être reçus par M. François Rousseau, responsable de Rivoli. Pour le beau, pour le bon et pour le vrai, Index. Monsieur Rousseau, c'est un plaisir pour nous autres. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir choisis. Et c'est un vrai plaisir de vous recevoir ici. J'espère recevoir les téléspectateurs qui nous écoutent. Merci. Et pour dire qu'on a pas mal de beaux cadeaux pour eux et que nous essayons d'avoir des prix raisonnables et pour plaire à tout le monde dans ces moments difficiles. Non, mais dans ces moments difficiles, est-ce que Rivoli, avec tout ce que Rivoli offre, que ce soit au niveau des cadeaux, des parfums, aussi au niveau de l'optique. Et comment est le marché pour vous? Comment vous vous situez? Le marché est difficile parce que la politique se rentre dans ces périodes d'instabilité, ça nous donne des problèmes. On essaie de surmonter ça, on essaie de trouver les produits qui correspondent mieux à la réalité, on trouve des produits à des prix abordables. Et on a fait cet effort pour décembre de rentrer des produits plus abordables qui permettra aux gens de quand même de respecter la Noël, de pouvoir offrir quelque chose à leur famille, à leurs amis. Et nous espérons que ça plaira à tout le monde. Et Rivoli, quelle est la gamme des produits de Rivoli? De quoi vous spécialisez? Rivoli, la spécialité de Rivoli, c'est la parfumerie, principalement. Nous avons des montres, nous avons des bijoux de fantaisie, des bijoux en or. Nous avons les Lacoste, nous avons du cuir, les Longchamp. Et tout ça fait, quand vous venez ici, vous avez un choix assez important de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez trouver pour tout le monde. Naturellement, à Rivoli, à Pétionville, nous avons Optica qui se trouve là aussi pour les lunettes de soleil, les lunettes d'optique. Nous avons le laboratoire sur place. Et sur demande, nous pouvons livrer en quelques heures la prescription de presque tout le monde. C'est pas un problème. Et Optica est connu pour sa qualité et
sa respectabilité. Donc vous êtes connu pour la qualité et cette qualité, vous quand même, vous allez la chercher ailleurs. Et est-ce que vous êtes en contact direct avec les principaux distributeurs à l'étranger? Les fournisseurs, avec les marques des fournisseurs que nous représentons localement, presque tous sont en exclusivité de Rivoli. Et ils ont choisi Rivoli pour ce que nous représentons. Ici, en Haïti, il n'y a pas beaucoup de magasins à ce niveau. Et pour nous, nous avons fait un effort. L'immeuble a été construit pour ça. Ce n'est pas un immeuble que nous avons modifié. Les plans ont été faits depuis le départ pour présenter ce que vous voyez aujourd'hui. C'est quelque chose de rare d'investir autant. Surtout en Haïti, dans quelque chose comme ça. Et nous avons fait cet effort. Ça veut dire que ça respecte les normes internationales? Les normes internationales, et très souvent quand je montre les photos du magasin à des grandes compagnies là-bas, ils refusent de croire que ça existe en Haïti. C'est un gros problème quelquefois. Mais de toute façon quand même, il y a des Haïtiens qui respectent les normes. Hein. Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup d'ingénieurs, d'architectes, quand ils construisent, les normes sont respectées. D'ailleurs, Rivoli a passé le tremblement de terre, n'a pas eu de dégâts. On a eu des verres brisés, oui, mais on n'a pas eu de structure, de problème de structure, quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'architecte qui avait construit pour nous, l'ingénieur Wood, avait respecté les normes. Et je peux dire que quand je lui ai demandé après, comment se fait-il qu'on n'a pas eu de dégâts? Il me dit, mais moi je savais qu'on était sur dans un pays où le tremblement de terre était possible, et j'avais construit en conséquence. Et on dit que la qualité coûte. Généralement, que si vous voulez avoir quelque chose de qualité, il faut vous débourser. Et comment est l'approche au niveau prix à Rivoli? Bon, l'approche de prix, il faut voir qu'est-ce que vous obtenez pour l'argent que vous mettez dehors. Est-ce que ça vaut ce que vous payez? Vous pouvez avoir quelque chose de qualité à un prix abordable. Vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement cher. Et à Rivoli, nous n'allons pas dans l'extrêmement cher. Nous essayons de rester dans les prix, je ne dirais pas moyens, mais pour la classe moyenne. La classe moyenne adore Rivoli. Elle trouve ce qu'elle veut. Et c'est notre clientèle principale. Nous vivons d'elle. Et Rivoli se situe sur le marché depuis combien d'années et par rapport aux autres compétiteurs, où est-ce que vous vous placez? Rivoli, par elle-même, a 12 ans, presque 13 ans d'existence. Optica, qui est le propriétaire de Rivoli, a 28 ans d'existence. Nous avons d'abord été en ville, où nous étions à l'angle de la rue des Miracles et du Peuple, qui était notre immeuble principal pendant des années et détruit par le tremblement de terre, malheureusement. Mais Rivoli était un rêve que j'ai voulu réaliser un jour et on a trouvé le terrain. Et on a pu, petit à petit, parce qu'il faut dire que Rivoli a pris 8 ans pour être construit. Et ça a été lent, ça a été dur, mais on a pu réaliser ce qu'on voulait. Et par rapport aux autres, à vos compétiteurs? Les compétiteurs locaux sont en chacun leur branche et ne nous touchent pas vraiment. Ce qui nous touche le plus comme compétiteurs, c'est l'étranger. Nous sommes à 1h30 de Miami. Miami est pratiquement un duty-free. Parce que Miami, la douane aux États-Unis pour les produits que nous vendons ici est à peine de 4%. Ici, les douanes sont presque 6 à 8% plus élevées. Donc ça crée une forte compétition. Beaucoup de nos clients peuvent voyager, peuvent acheter là-bas à l'étranger. Donc on est obligé de se résigner avec ceux qui viennent chez nous. On essaie d'être compétitif, c'est dur, mais on arrive à le faire quand même. Et est-ce qu'on peut dire de Rivoli que c'est un magasin de luxe? Je dirais plutôt que c'est un magasin luxueux. Luxueux dans le fait que notre étalage est luxueux. Nous recevons les gens
dans un luxe de nous voulons, j'ai toujours voulu recevoir mes clients comme s'ils venaient chez moi. Et je peux dire que même que ici, je vous reçois peut-être même mieux que si vous étiez venu chez moi. Donc, c'est ce luxe-là que je parle. Un magasin qui vend des produits de luxe. Le produit de luxe est un produit très cher. Nous vendons très peu de produits de luxe. Nous vendons surtout des beaux cadeaux à des prix abordables. Et c'est ça qui fait notre force. Alors, en parlant de beaux cadeaux, c'est la Noël. Et je vois que vos vitrines là sont remplies. Est-ce que c'est parce que vous avez un grand stock ou est-ce que les clients ne viennent pas à Rivoli faute de moyens? Bon, je crois pas qu'il faut pas dire faute de moyens. Les clients en Haïti, c'est toujours au dernier moment. Ils viennent acheter la semaine tout juste avant Noël, malheureusement. Donc on se trouve dans une situation embarrassante où on est obligé de se diviser en 4 ou 6 pour servir. Et malheureusement, c'est ça. S'il venait plus tôt, on aurait eu plus de temps et on pourrait mieux les servir. S'il venait, on les attend, on est prêt pour eux, on les attend, on a la marchandise qu'il faut. Et ceux qui vont venir le 24 décembre, on va les servir quand même, mais ça va être difficile. Et superbe décoration. L'équipe de Radio Téléclair tenait quand même à vous féliciter pour l'accueil et puis la décoration. Et c'est une idée de l'équipe de Rivoli ou vous avez une compagnie qui a travaillé pour vous? C'est Madame Saint-Rémy qui fait la décoration pour nous. Elle le fait depuis l'ouverture de Rivoli. Elle l'a fait chaque année. Elle a maintenu ça avec nous. Nous lui sommes entièrement reconnaissants pour son travail, sa réussite. L'année dernière, on avait été classé comme le magasin le mieux décoré. Et j'espère qu'on pourra peut-être refaire ça encore cette année. Votre présence ici nous fait penser qu'on a cette chance. Et côté décoration, vous, quand même, vous y mettez un peu de votre touche ou c'est Madame Saint-Rémy seulement qui s'en charge? Madame Saint-Rémy, elle est seule à choisir. Elle vient, elle nous surprend chaque année avec ce qu'elle décide pour nous. Elle nous demande toujours d'attendre à la fin pour voir ce qu'elle va nous présenter. Et nous ne décidons pas, nous ne choisissons pas. Elle présente son thème et on lui fait confiance. Effectivement, c'est une artiste, hein? C'est une artiste. C'est très rare à trouver ce genre de personne. Alors, M. Rousseau, à Rivoli, il n'y a pas seulement des produits importés. Et vous mettez en valeur aussi l'art, l'artisanat haïtien. Absolument. L'artisanat haïtien, nous sommes très fiers de représenter Moreau, la création Moreau de Jacques Mel. C'est fait par les artisans de Jacques Mel. Et les prix sont extrêmement abordables. Vous trouvez des cadeaux qui commencent là à 10 $. Et ça fait des souvenirs extraordinaires quand on part à l'étranger. On se rappelle d'acheter ça. Et c'est Moreau, ça fait un an qu'il est ici. Qu'il est ici à Rivoli. Mais en Haïti, Moreau a plus de 40 ans qu'il est en Haïti, qu'il est installé à Jacques Mel et qu'il fait vivre une communauté d'artisans. Il travaille très dur. Il invente constamment des nouveaux produits, des nouveaux styles. Serge aussi, c'est les masques qu'il adore. C'est une exposition permanente ici, c'est pas passagère. C'est permanent, vous pouvez venir à n'importe quel moment de l'année, c'est toujours complet. Et Moreau contrôle son produit, les prix sont les mêmes ici qu'à Jacques Mel. Nous ne sommes pas plus chers, donc Moreau contrôle tout ce qui se fait là, c'est à lui. Donc vous faites le mariage des produits importés et aussi des produits haïtiens. Absolument. Haïti, pour moi, on aurait dû produire beaucoup plus. J'espère que d'autres artisans ont aussi cette chance de pouvoir produire des choses comme ça. Même si c'est pas moi qui les vends, même s'ils les vendent ailleurs, je suis très fier de voir ça. Vous avez la parfumerie, mais est-ce qu'en Haïti, on peut dire, est-ce qu'il y a une parfumerie haïtienne? Chose surprenante, il y a eu des usines fabriquant du parfum en Haïti, principalement pour l'export.
Mais Haïti est aussi est très connu à l'étranger dans la parfumerie pour son vétiver. D'ailleurs, Cartier, qui a un vétiver bleu, c'est fabriqué avec le vétiver haïtien. Et plusieurs grandes marques qui font des parfums, surtout en vétiver, utilisent le vétiver haïtien. Nous sommes très fiers de ça. Je souhaite qu'un jour que Rivoli ait sa propre parfumerie. Hein? J'aimerais bien. C'est un rêve à réaliser aussi. C'est un vœu pour la Noël. D'accord, merci beaucoup. Un message spécial à lancer aux téléspectateurs et aux clients de Rivoli. Je vous dis que tout le monde est le bienvenu ici. Nous attendons votre visite. Nous espérons bien vous servir. Nous espérons que vous trouverez ce qui vous conviendra au prix que vous pourrez. Ça, nous avons tous les prix. Pour le beau, pour le bon et pour le vrai, joyeux Noël à vous tous. Et nous allons continuer notre promenade. Nous étions à Pétionville et nous allons encore y rester. Et cette fois-ci, nous allons nous rendre à Yannick Schmid Spa, une autre institution commerciale d'un autre niveau qui offre un autre genre de service, mais qui pense aussi que pour la période de fête de Noël, il faut apporter une touche nouvelle, il faut offrir une décoration hors pair pour les clients qui viennent à Yannick Schmid Spa. Nous étions à Yannick Schmid Spa pour découvrir les décorations et aussi découvrir le service offert à Yannick Schmid Spa. Index pour le beau, pour le bon et pour le vrai. Dans ce salon, c'est un plaisir pour nous d'être. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Ça me fait plaisir que vous ayez pensé à moi. Parce que, en effet, je trouve mes clientes sont satisfaites, contentes. On vous a parlé de mon local qui a été décoré. Ça fait plus de 10 ans que Mme Mona Saint-Rémy s'occupe de ma décoration. Et je dois vous dire que tous les ans, c'est encore de plus beau, plus beau, plus beau. Elle fait des choses merveilleuses, comme disent. Et pour la décoration, vous y mettez un petit peu de votre touche? Pas du tout. Je lui laisse, elle fait ce qu'elle veut. C'est son inspiration totale et les clients sont toujours ravis, sont toujours contents et moi aussi. Et je suis contente aussi d'offrir ce décor à ma clientèle parce que c'est une clientèle qui m'est très fidèle. Elle me suit depuis de très très longues années et c'est une façon pour moi de la remercier et de lui souhaiter un très joyeux Noël, une bonne année. À vous aussi, Téléclair. Alors, chez Yannick Schmid, quand quelqu'un vient chez Yannick Schmid, qu'est-ce qu'on trouve? Yannick Schmid, c'est tout d'abord un spa où l'on s'occupe des soins du visage. Je fais des soins spécifiques. Des soins du visage, c'est-à-dire des soins d'acné, des soins anti-rides, des soins anti-rides, mais qui sont multiples. C'est-à-dire que vous avez l'hydrafacial, vous avez les soins à l'oxygène, vous avez des soins au dermopène. C'est beaucoup, beaucoup, un très grand menu de soins. Et vous avez aussi les soins acnéiques, pour les peaux acnéiques. Et que je fais, je réussis, cela fait tellement d'années. Ensuite, j'ai mon côté, le côté gauche que vous voyez là, c'est le côté spa, où on s'occupe des massages du corps, on s'occupe aussi de la... Nous avons une cabine d'hydrothérapie, où ils font les soins du corps sous pression d'eau. Et il y a donc le massage, le gommage, les soins enveloppants et bien les massages amincissants aussi, les massages de détente. Et j'ai aussi avec moi un physiothérapeute, je vais d'ailleurs vous le présenter parce qu'il mérite d'être connu, qui s'appelle Yoelis Mendoza. Il est un physiothérapeute. Il est diplômé, il vient de Cuba, qui a une très très bonne école de physiothérapie, comme vous le savez. Et il fait, donc il procure des soins spéciaux, des soins spécifiques pour non seulement les massages de détente, mais aussi en cas de problème, hein, si vous avez quelque chose de travers après une intervention chirurgicale, Yoelis peut vous aider. D'ailleurs, il est aussi affilié à la Healing Hands. Donc, ce n'est pas un amateur. Ici, nous sommes tous des professionnels. Je tiens, j'exige à ce que mon entourage soit professionnel.
Je ne veux pas d'amateur. Et je le fais donc depuis des décennies. Je préfère ne pas tout dire. Plus que voilà, mais ça paraît. C'est plus vrai. D'accord. Mais normalement, c'est un appareil plus pour les traitements à partir de l'ultrason. L'ultrason, c'est en fréquence que bouger on peut la cellule graisse, plus cet appareil normalement provoque une ébullition, normalement, entre la graisse et les tissus musculaires. Ça fait que la graisse vient un peu mou à la son normalement, en bas les tissus, entre la musculature et la peau, normalement. C'est pour faire la graisse un peu plus liquide. Pourquoi pour la population peut comprendre un peu sur ça? Ça va passer normalement à le drainage lymphatique, à la circulation normale, mais il faut faire beaucoup d'exercices, il faut faire la diète, parce que vraiment, ça n'a pas éliminé la graisse normalement. Ça seulement fait que la graisse décolle en bas de la peau, exactement, pour faire plus facile le processus d'élimination de la graisse. Mais normalement, c'est un appareil qui permet de faire ça aussi, plus la radiofréquence pour affirmer la peau à partir de que la graisse commence à baisser à partir de ce processus normalement de réabsorption. La peau commence à baisser comme une façon de peau de orange. Comme ça, on réaffirme la peau, mais plus on fait le massage en mécissant, plus le drainage lymphatique pour accélérer ça. Mais ça ne veut pas dire que ce processus normalement va faire la personne maigrir. Parce que ça. Non, le massage en mécissant, ce n'est pas une chose exactement qui existait, le massage en mécissant. C'est un processus qui va aider à le processus de décoller la peau en bas exactement, et décoller la graisse en bas de la peau exactement. C'est ça. Et vous êtes physiothérapeute. Et pour la physiothérapie, vous traitez aussi les gens qui ont des difficultés d'articulation. Normalement, je travaille 3 jours ici et 3 jours à Healing Hands. À Healing Hands, même gens qui sont ici, on fait les traitements plus pour la réhabilitation, rééducation, même pour les enfants que pour les personnes âgées. Ça veut dire plus la personne qui souffre d'une fracture, la personne qui souffre d'une torsion, des arthroses, arthrites, tous les processus normalement qui sont provoqués à partir d'une contusion, processus neurologiques, ça veut dire tous les processus qui méritent une restructuration, réhabilitation, plus pour une douleur. Beaucoup de processus en physiothérapie pour les enfants, pour les processus respiratoires, pour les processus cardiovasculaires, pour les processus pratiquement tout ça qui mérite une récupération et restructuration de l'organisme à partir d'une lésion. C'est très ça. Mais à Cuba, la médecine, c'est un peu plus organisé qu'en Haïti, en façon ça. Plus on travaille sur la médecine préventive que curative. Ça veut dire que nous, toujours, travaillons à Cuba un peu plus organisé entre chaque département. À la physiothérapie, ici, c'est un peu plus curatif. Oui, c'est plus curatif exactement. Parce que la population n'a pas de beaucoup de connaissances. Même c'est quoi la physiothérapie? Qu'est-ce qu'on peut travailler avec la physiothérapie? Parce que normalement, on allait à la maison de l'orthopédiste et c'est lui qui fait plus les traitements pour la physiothérapie. On torsion de mon muscle que le matin, la personne. Mais normalement, ce n'est pas la physiothérapeute ici. Mais à Cuba, presque tout ce petit traitement, c'est directement avec les fiches. J'ai des clientes qui sont avec moi depuis très, très, très longtemps, monsieur. Et elles sont très satisfaites. Et je profite aussi aujourd'hui pour leur dire merci. Et pour leur dire merci, pour les encourager à revenir, quand je leur offre toujours des nouveautés. Il le faut, nous ne pouvons pas rester dans un cocon et puis dire je fais ci, je fais ça seulement. Puisque la science évolue dans tous les domaines, surtout aussi dans le domaine d'esthétique. Donc je dois suivre et je dois apporter à mes clientes tout ce qu'il y a de nouveau et de bon. Et j'avoue qu'elles sont toujours très satisfaites. Et c'est ce qui me donne beaucoup de plaisir. Et est-ce que chez Yannick, vous restez connecté aussi avec d'autres physiothérapeutes ou tout, ceux médecins, qui sont médecins? Par exemple, je travaille beaucoup en collaboration avec des dermatologues. Pour ce qui est du visage, je ne suis pas médecin, je ne suis absolument pas médecin, donc je travaille avec un dermatologue. J'ai même le docteur Joël Vital qui est un médecin généraliste qui vient des États-Unis. Elle vient une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Faire des soins spécifiques pour moi, que moi je ne fais pas, mais c'est des soins médicaux. Par exemple, dernièrement, elle a fait un soin au laser,
anti-rides au laser. Et nous pourrons donc à l'avenir soigner l'acné au laser. Nous pouvons faire beaucoup de choses à base de laser, comme vous savez très bien, nul n'ignore les propriétés du laser. Alors là, c'est encore une nouvelle, un nouveau créneau. Donc avec le docteur Juvitar, et j'ai aussi, je collabore avec les dermatologues. Car moi, je veux être sûre de ce que je fais. Je veux aller à coup sûr. Je ne veux pas dire « je ne savais pas, ce n'est pas de ma faute ». Je veux vêtements être très professionnels. Donc demandez, je n'ai pas honte, je ne suis pas gênée d'appeler un dermatologue et de l'appeler en aide. Et je reçois toujours de très très bonnes réponses de ces médecins. Donc c'est pour cela que chez moi, je ne vais pas à tâtons, je vais à coup sûr parce que je sais ce que je fais. Et vos produits de traitement, où est-ce que vous mes les... Mes produits de traitement, non. Mes produits de traitement, je les commande. Je travaille beaucoup les produits de beauté. Je travaille beaucoup avec la maison Phytomère. C'est une maison française qui est basée en Bretagne, donc qui travaille avec des algues. Tous mes produits sont à base d'algues. Et ensuite, avec le docteur Vital, j'ai des produits, bien sûr, pharmaceutiques. J'ai des antibiotiques, des vitamines C, des acides hyaluroniques et tout, qui sont pharmaceutiques. Je n'achète pas ce genre de produits en boutique. Tous mes produits sont vraiment des produits spéciaux. Et vous n'utilisez... Alors, une toute dernière question, puisque là, vous êtes... on sait que dans un pays où il y a beaucoup de stress, beaucoup de stress, et donc ça réagit fort souvent sur le fonctionnement du corps, sur la peau. Est-ce que vous vous rendez compte? Je constate que les clientes viennent stressées, que les clientes viennent avec une peau stressée. Et ça se voit. Et après 2 ou 3 séances, elles sont détendues et la peau a changé. L'épiderme a tout à fait changé. Donc j'ai su prendre soin, mais ce n'est pas de leur faute. Nous vivons dans un milieu très 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 stressant. Donc ce n'est pas de leur faute. Et j'espère que l'année prochaine sera meilleure. Pour moi, pour vous, pour mes clients, pour le pays. Pour le pays. Vous avez un spécial pour cette saison de Noël, cette... J'ai une nouveauté justement pour cette saison de Noël. C'est un soin, c'est le Dermaglou. Alors je ne peux pas vous expliquer. C'est un soin à base de vitamines, de multivitamines et alimenté par, aidé par l'oxygène. Vous savez ce que c'est que l'oxygène? C'est un apport de vie. Donc qui est sur la peau et qui fait un travail extraordinaire et qui donne un résultat formidable. Formidable, que j'aime beaucoup. Et je conseille, je préconise et je le fais beaucoup en cabine. Mais vous avez un mot spécial, un message pour cette saison de Noël? Pour cette saison de Noël, bien sûr, je voudrais tout d'abord dire un joyeux Noël, souhaiter un très, très bon Noël à mes clientes, à mes amis et leur souhaiter une nouvelle année nettement plus agréable que celle-là. La Noël... Vous l'avez remarqué à travers ces 2 visites à Rioli et à Yannick Spichpa, est fêté de façon différente. Mais il y a toujours un dénominateur commun, les décorations. Il y a aussi les messages de Noël, les vœux. Et nous sommes tous d'accord que la Noël, c'est la fête de l'amour, la fête du partage, la fête du pardon, la fête de la réconciliation. C'est la fête du beau, du bon. Et du vrai. Index, c'est la fin. Merci à vous tous. Je dois remercier toute l'équipe technique. Merci spécial à Junior, caméra et montage. Merci à Yannick Spispa qui nous a reçus. Merci à Monsieur François Rousseau qui nous a reçus à Rioli et à toute l'équipe technique et à tous ceux qui nous ont reçus ce soir. Merci tout le monde. Gardez dans votre cœur l'esprit du beau, du bon et du vrai. C'est ça, Index. We'll be right back.